Salut à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode d'Objectif 3 minutes. Aujourd'hui, on s'attaque au 50mm macro f2.8 de chez Sigma. Très honnêtement, à la base je l'ai acheté sans grande conviction, je l'avais acheté pour faire de la déco, voire pour tester un macro, voir ce que ça donnait. Mais en fait il est vachement bien, plus je m'en suis servi et plus je me suis dit qu'il était vraiment bien. Je m'en sers énormément pour de la macro photographie, pour les insectes, des choses comme ça, mais de plus en plus pour mes pack shots. À la base il vaut 320-350€. Moi je l'ai payé 50€ sur le bon coin, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté sans grande conviction. Il a un ratio de grossissement de 1 sur 1, donc c'est tout ce qu'on demande à un objectif macro standard. Il a une ouverture constante de 2.8 jusqu'à 45. Pour la macro, honnêtement, c'est appréciable parce qu'à 2.8, on a une zone de netteté qui est vraiment ridicule. Mais bon, ça nous offre quand même beaucoup plus de luminosité, mais c'est vraiment en macro trop peu. La distance minimum de mise au point est de 19 cm, ce qui est extrêmement bien pour un objectif macro. Ça nous permet d'être au plus près de chaque objet, de chaque insecte qu'on va prendre en photo ou filmer. C'est donc un Sigma, c'est de la gamme EX, donc ça reste une plutôt bonne qualité, même si l'objectif commence à se faire vieux. Il est tout petit, super léger, donc ça me permet de le transporter partout. Il pèse 320 grammes. Ça, c'est agréable dans un sac aussi, de ne pas avoir forcément que des parpaings à l'image du 85 série L de chez Canon. Un truc que je trouve vraiment top, c'est qu'il a un limitateur de focus, ce qui va nous permettre d'accélérer la vitesse de mise au point. Parce qu'autant vous dire qu'en macro, quand il faut dérouler tout le fût, la vitesse de mise au point, elle n'est pas super rapide. Mais avec le limitateur, c'est vraiment pas mal. Quand le fût est rentré et qu'on le limite, il va chercher sa distance de mise au point entre 19 cm et 24. Et quand on le limite, quand le fût est sorti, il va être limité entre l'infini et 24 cm. Donc ça va quand même vachement accélérer la vitesse de mise au point et limiter le phénomène de pompage. Et dernier petit point important, c'est un objectif compatible avec les capteurs plein format. Parce qu'en général, les petits objectifs comme ça à bas prix, c'est plutôt typé APS-C. Ben lui, non, il est typé plein format avec une bague EF. Voilà pour cet objectif. Vraiment, je m'en sers au moins toutes les semaines, je pense. Donc il est vraiment pas mal. Je vous laisse sur quelques prises de vue qu'on a fait avec. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao !